Salut la team! On espère que vous allez tous et toutes bien. Donc, on ne sait pas si vous avez entendu, Ishka est en train de se gratter. Et puis d'un coup, elle, comme si elle avait vomi un petit peu. Qu'est-ce que tu fais, Bibou? Tu vas où? Tu vas aller où, toi? Ouais, non, mais attends, à un moment donné, quand on commence la vidéo. Tu veux venir avant, toi, alors, on se retrouve pour la vidéo All Shine. Shine. Alors, on a fait une commande sur Shane, donc on vous a dit qu'on allait faire la vidéo, donc là on est toutes les deux, et donc on a fait une vidéo parce que ben, on est de mariage en fait, et il nous fallait, voilà, il nous fallait une robe, donc ça arrivait pile poil, hein. Donc ça a mis une semaine et demie enfin, à peu robe, près. Enfin, on a commandé d'autres trucs. Oui, mais à la base, notre commande, elle est pour la robe de mariage. Oui, enfin moi c'est pas forcément ça. Mais si, oui, à la base. Oui, bref. À la base, la commande Shane, c'est pour la robe. Parce que bon, quand vous voyez le prix des robes sur Shane et qu'ils sont vraiment sympas, etc. Nous, chez nous, il n'y a pas beaucoup de magasins, on va dire, à part Kiabi et Géo. Nous, on n'est pas super gâtés au niveau magasin. Donc voilà, pour trouver des tenues, c'est pas évident. Et puis, vous allez vite tomber sur 30 euros une robe qui... Voilà, moi, je voulais quelque chose que je pouvais peut-être remettre après. Et Elia aussi, je voulais qu'elle prenne quelque chose qu'elle allait remettre après. Donc voilà, on a reçu enfin la commande Shane, tant attendue... Délia, parce qu'il n'y a pas que les robes, elle a pris plein de trucs à l'intérieur. Donc, on va ouvrir ça ensemble et en même temps, on va essayer de faire les essayages. Donc, du coup, après, on tournera, je pense, le PC et on ira se changer l'une et l'autre. Et puis, oui, parce qu'on va se changer devant vous. Ouais, on va éviter de se mettre toute nue devant vous, hein, ça le fait pas. Et on risque d'être censuré aussi. Et puis, ça sera peut-être pas très beau à voir non plus. Hein. Donc, du coup, on ira changer. Puis, comme ça, on fera les essayages en même temps si ça vous dit. Allez, c'est alors, parti. Ne jugez pas, j'ai pas fini, on l'arrache. Oh, on s'en fiche. Oui. À la bienne, on s'en fiche. Comme à la maison, ouais, venez comme vous êtes, au McDo quoi, t'en fiche. Je sais qui ouvre en première, j'attends ça depuis des années. Bah, j'ai été obligée de cacher le paquet, elle est partie le chercher quand même, elle a trouvé, le temps que je rentre du boulot, je lui ai dit tu l'ouvres pas quoi. Non mais je vous jure, hein, cette gosse. J'attends ça depuis des années. Pas des années, une semaine et demie. Alors voilà tout ce que nous avons commandé. Donc on va vous montrer. Alors je sais pas si on va essayer au fur et à mesure. Par contre, si moi je vais me changer peut-être derrière la caméra. Non, après je pense qu'on va ouvrir tout et. Après il faudra compléter. Tant que moi je. Par contre, tant que je me change, il faudra que tu leur papotes. Oui. Voilà. Tu pourras gober un œuf. Oui. Alors je commence par les petits trucs là que j'ai dans les mains. Oui. Tadam. Ah oui, oh, c'est mon guré chéri. Alors, du coup, j'ai commandé des boucles d'oreilles. Mets bien ta main derrière, voilà. Trop bonnes, comme ça, avec des petits cœurs. Je les trouve magnifiques. Voilà. Oh, elles sont plus belles en vrai. C'est incroyable. Je peux voir, moi. On pioche chacune un article. Elles sont sympas. Ouais, elles sont très jolies. Elles sont trop belles. Alors les prix, je vais peut-être vous les donner, je vais aller chercher mon téléphone. Tiens. Je vais chercher mon téléphone, comme ça je vais peut-être vous donner les prix au fur et à mesure de ce qu'on a pris. Ouais, c'est tout flou. De quoi? C'est tout flou. C'est toi qui fais foutre la caméra. Non, c'est tout flou. Oh merde. C'est toi qui as fait foutre la caméra? C'est mes grosses cuisses, je suis passée devant, ça ouais. Fait. Ouh. C'est ça. Ça lui a fait mal aux yeux, mais même là c'est flou. Merde, l'adresse, parce que c'est... Non, c'est bon. C'est toi qui... Alors, les petites boucles d'oreilles. Comment je fais pour aller sur ma commande? Voilà, c'est bon. Alors, les petites boucles d'oreilles, elles étaient à 60 centimes. Non. Et après, on les a eues... 75 centimes. C'est que, vu que t'avais eu le bon de réduction... Ouais, j'avais un bon de réduction, mais du coup, elle nous est revenue à 60 centimes. Souvent, sur oui. Shane, en fait, quand vous avez tant d'achats, vous avez, j'en sais rien, pour 50 euros d'achat, vous allez avoir 20%, un truc comme ça. Enfin bon, là, et là, on avait la livraison gratuite en même temps, donc c'est pour ça que j'en ai profité pour commander. Donc, ça nous est revenu à 60 centimes. Enfin, c'est toujours la livraison gratuite, à part si vous voulez un premium, un express. Non, ça dépend des fois. Il est un peu transparent, mon soutif, là, non? Oui. Non, ton haut. Oh mais oui, on voit ton soutif. Je suis en train de capter que c'est transparent en vrai quoi. Donc je suis allée comme ça bosser moi. Olé olé. Olé olé. Bon allez bref. Alors, allez, je à toi. Pioche. Donc 60 centimes pour les boucles d'oreilles. Je prends ça. Quoi? Oh oui. Attends, je te laisse prendre le sachet. On va poser là. Alors j'ai commandé une petite bague grenouille.
Comme ceci. Alors, 40 centimes. Franchement, ça mange pas de pain. Quoi. C'est des petites bricoles, mais voilà, c'est mignon. Ça leur fait regardez plaisir. Regardez comment elle est belle. Elle est incroyable. Vous voyez pas trop là, je pense que tu peux essayer de rapprocher. Ouais. Ouais, voilà. Donc 40 centimes la petite bague. Mais là, quand le montre là, quand tu la mets, pas au doigt du milieu, pour pas faire un doigt. Au pire, ça. Elle allait laisser son doigt du milieu, elle, hein, vous savez que. Voilà, avec le reflet, on voit pas trop. Et elle est ajustable, du coup, ben, on peut l'ajuster suivant vos doigts. Alors là, c'est. Ah oui, moi je les ai trouvés sympas. Alors, c'est des boucles d'oreilles, encore une fois, donc Ying et Yang. Donc, du coup, ça m'est revenu à 60 centimes. Au début, elle les aimait bien. Après, j'y prends les. Elle me dit non, je les veux pas. Je les prends les quand même. On sait jamais. Ou si c'est elle ou moi qui les mettra. Ah, ah super, les attaches elles sont là. Attention. Oui, mais moi aussi, les autres. Je suis obligée de les enlever parce que sinon, vous n'allez pas voir. Et je les ai trouvés trop choupi avec des petits oursons un petit peu comme de Haribo en fait. Non, de base, je cherchais des trombones en fait en bout d'oreille et je suis tombée sur mes pépites. Alors par contre, ils sont montés à l'envers. Regarde. Mais non. Ben si, tu le mets sur ton oreille comme ça. Regarde, l'ourson, il est à l'envers. Mais c'est plus joli comme ça. Ben non. Qu'il soit à l'endroit. Regarde, là, l'ourson, il est à l'envers. Bon, je vous montre. Donc, c'est ça. Donc, le yin et le yang. Donc, du coup, on a le yang en blanc et le yin en noir. Le yin. Et en fait, voilà, c'est genre des petits oursons de Haribo comme ça. Mais par contre, vous voyez, ils sont montés à l'envers. Donc, il va falloir que je défasse pour les remettre à l'endroit, en fait. Pourquoi ils ont mis à l'envers ? Ouais, ils sont à l'envers. Donc, je vous les montre à l'endroit. Les petits oursons, vous voyez, ils sont vraiment... Enfin, voilà, j'ai trouvé ça trop, trop mignon. Donc, juste, il faudra que je refasse le truc. C'est pas très grave. J'ai envie de vous dire, pour 60 centimes, je peux remonter le truc. C'est pas gênant. Donc, voilà, moi, je me suis pris ça. En petite bricole. Est-ce qu'on a d'autres choses ? C'est à moi de piocher. Ouais, mais je te les passe. Comme ça, tu ne regardes pas. En fait, toujours... Je montre là au moins. Mais c'est le thème, c'est qu'il y a un coup poché, mais on s'en fout. Ça, c'est quoi, c'est la facture? Je tombe que sur des papiers. C'est procédure de retour. Pour le retour. Ah, au cas où. Bah, je retrouve plus de petits trucs. Là, j'ai que des. Bon, je te passe un gros truc, c'est pas grave. Oui. Alors, on a ça. Ah, mais c'est à moi, je crois. On va passer sur les gros trucs. Je sais qu'elle a des petits trucs encore, mais je les trouve pas. Alors, voilà. Ah. Ah, sent, si ça sent chinois. Ça sent la Chine. Est-ce que tu sens le Covid? Tu le sens? Et encore, vous avez vu qu'il y a un nouveau truc qui arrive avec le truc du singe, là? T'as entendu le machin du singe? Il y a un truc avec le machin du singe. C'est pas ton haut, ça? Ou c'est la robe? Et ça, c'est la robe. Alors, c'est laquelle, la noire, là? Oui. Laquelle noire? Ah non, mais c'est la mienne, alors c'est celle-là? Ouais. Si ah, donc c'est non, le... c'est à moi alors. Donc une robe, parce que pareil, elle est des fois dans les... ils ont des genres de promos, genre des soldes. Et du coup, celle-ci, elle était à 4 euros. Donc en fait, sur la nénette, ça rend super bien. Hein. Alors attendez. Je peux aller dessus. Voilà, sur la nénette, ça rend ça. Ok. Vous avez bien vu. Hein. Sur moi, je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. Surtout qu'il restait qu'une taille, c'était taille 36. Alors c'est pareil, je savais pas quoi. En tout cas, la matière, elle est bien. Après, je me suis dit, si je la mets pas, Elia la mettra de toute façon. Après, j'ai pris taille 36. Maintenant, chez Shane, je sais pas comment ça taille. Parce que j'ai quand même pris, voilà, par rapport à avoir ma jeunesse, quoi. Donc, on verra bien. Elle a l'air cool. Mais. Olé, olé. Enfin, ça fait la même taille. Donc, on essaiera après. Donc, voilà, vous avez vu la mannequin le porter. Vous me verrez moi le porter. Ça risque d'être marrant. Voilà, voilà. Donc, du coup, la petite robe noire. Voilà, voilà. Ensuite, je pioche un autre paquet. Donc, ça, c'est une robe que moi, je me suis prise comme ceci, pareil, à fleurs. Donc, je laisse Elia déballer comme ça. Moi, en attendant, je regarde les prix et je vous dis ça. Alors, ça, c'est pareil. C'était dans les promotions. Donc, je l'ai payé 4 euros la robe, j'ai envie de vous dire. Je crois que c'est celle-ci. Voilà. Donc, elle, ça lui donne ça.
C'est très joli, hein, c'est frais pour l'été, etc. Qu'est-ce que ça va donner sur moi? Je n'en sais rien. Voilà, c'est une petite robe à fleurs comme ça. Et par contre, là, j'ai pris quoi comme taille? 38. Après, j'ai pris que du 38 parce que je me suis dit, c'est des robes d'été. Et il faut quand même que ça soit, que ça soit assez large. Hein, parce que voilà, l'été, moi, j'aime pas être déjà qu'il fait chaud. Donc apparemment, c'est croisé dans le dos. Et voilà, après, ça a l'air... Elle a l'air courte aussi, celle-là. Hein. Alors, elle est verte. Hein, pour bah, heureusement que j'ai pris 38. Hein. Oh, putain. Non. Elle a l'air... Ouais, mais tu sais, ouais, on va voir. Si jamais c'est vraiment trop court, on voit presque la culotte, on ne vous montrera pas. Mais Oui, puis elle est en pire, elle pourra toujours la mettre. Pour l'été. Alors, ça. Ensuite, encore pour moi. Bah, je me suis pris plein d'Europe parce que j'en ai pas du tout. Mais vraiment, j'achète toujours pour Elia. Moi, je m'achète jamais rien. Et donc, du coup, là, j'en ai profité tant que j'y étais. Alors, ça c'est pareil. 8,79€ la robe. Et donc, ça donne ceci sur la nénette. Franchement, ça rend super bien. Quand on la voit, la robe, on se dit, elle est super jolie. Pareil, c'est frais, etc. Donc, voilà. C'est frais. Et donc, du coup, pareil, j'ai pris. Là, j'ai pris taille M pour être à l'aise. Pour être à l'aise dedans, j'ai pris taille M. Voilà, celle-là, elle a l'air plus longue quand même. Ouais, tu vois. Ouais. Et pourtant, c'est la même taille que l'autre. Celle-là, elle a l'air plus longue. L'autre, elle a l'air vraiment petite. Je sais pas s'ils se sont pas plantés dans la taille de la verte, par contre, non. Voilà, voilà. Ensuite, ça, c'est à Elia. C'est un haut qu'elle a choisi. Donc, elle a pris un petit débardeur tout simple à 4,40€. Voilà, c'est un petit, normalement, débardeur. Donc là, il n'y a pas de mannequin, donc vous verrez directement sur Elia. Enfin, débardeur, c'est un peu un crop top. Ah, il est trop gros. Eh bien, c'est... On a pris quoi comme taille? 36. Donc, vous allez voir son bidou. Mais c'est normal, c'est un crop top. D'accord. Mais je ne le voyais pas bleu comme ça, moi, t'as vu? Ouais, ça n'a pas la même couleur, mais j'aime bien. Parce que là, c'est vraiment bleu roi, bleu nuit. Enfin, je sais pas si vous voyez. Et là, il est bleu, pas pareil. Non, là, on voit que c'est pas encore, c'est encore pas la même couleur. Ouais, c'est même pas la même couleur sur l'écran. Nous, ça fait un peu bleu-violet, quoi. Non ? Ouais, mais j'aime bien, non ? Mais c'est pas trop la même couleur pour le moment. Alors, ça, c'est la. Le... Ah, ça, quoi ? Je crois que c'est la robe de mariage. C'est la robe du mariage. Ça, c'est Elia. Donc, elle s'est pris. C'est pareil, il lui manque des shorts, des robes, des jupes d'été, etc. Et donc, du coup, je dis, choisis au moins toi un short. Bon, elle a pris un truc, voilà. En taille, on a pris 25. Ben ouais, mais c'est ça, hein, 25. Et donc, sur la mannequin, ça donne ceci. Il est un petit peu fendu sur les côtés. Il est beige. Voilà, et voilà, il est un petit peu fendu sur les côtés. La matière, elle a l'air d'être sympa. Et ouais, il fait un peu. Alors après, est-ce que c'est pas la lumière du soir aussi si vous faites ça? Mais je pense parce que regarde, c'est rose. Ouais. Donc on a pris taille 25, donc normalement ça devrait lui aller. Donc on verra tout à l'heure aux essayages. Bah, on va pouvoir peut-être vous essayer le short avec l'euro peut-être. Ouais, mais c'est ce que je fais. Ensuite, je crois que ça c'est la toi aussi, c'est pas la robe. Ouais, j'ai trouvé une petite robe, elle était pas chère, elle était à 3,20€, une petite dos nue blanche et noire en fait, donc bon, faut voir, la mannequin, elle est en pose un petit peu, attention, mais voilà, c'est une petite robe comme ceci, et derrière, voilà, c'est dos nue, donc pour l'été, il y a, bon, qui porte beaucoup de noir, etc., je me suis dit, ça peut être sympa. Ça a l'air transparent. Et bon, pour 3€, j'ai envie de vous dire, voilà quoi, donc du coup, je lui ai pris ça. Non, c'est pas transparent, c'est la matière, elle est vachement fluide. Par contre, tu peux être bien dedans. Ouais. Elle est vachement fluide. Et tu montres ? Oui, mais j'ai montré. Bah non, t'as pas montré. Voilà, elle se présente comme ceci. Vous voyez, elle est bon, c'est un truc simple, mais je la trouve sympa, moi, non ? Mm-hmm. Et la matière, elle est vachement... elle est souple, donc tu auras peut-être pas chaud avec ça. Non ? Pas. Ensuite, une autre robe pour moi. Pareil, ça c'était dans les promos aussi, hein. C'est que des robes à 4 balles, alors, j'ai envie de vous dire. Donc 4€, celle-là par contre elle a l'air d'être courte. Elle a l'air d'être courte, donc j'ai pris pareil, une 38, un petit peu Vichy comme ceci en verte. Donc voilà, sur les nénettes ça leur va toujours bien.
Ça a la matière. Mais bizarre. Par contre, sur nous, des fois, voilà quoi. Donc, du coup. Alors, par contre, elle est magnifique. Ouf, c'est large. Arrête, t'as peut-être dans tout là. Donc voilà, elle est super belle. Elle est jolie, elle est sympa maintenant à voir porter. Pourtant, j'ai pris 38, elle a l'air vachement petite. Ça se trouve, ça va aller à Elia et ça sera pas pour moi. Elle a l'air quand même. Ça a l'air d'être baby doll un peu. Hein. Bon, cool. Après, t'aimes bien ce qui est court. Oui, voilà, aussi, moi je porte pas de trucs longs. À voir. À voir porter. À mon avis, vous allez rigoler quand on va remettre les trucs. Ça va pas te prendre. Oui. Ensuite, ah ben ça c'est l'objet du délit, c'est ça? Oui. Non, c'est la tienne ou la mienne ça? Oh mais je. Ça c'est la mienne. Alors ça, ça a l'air d'être la robe pour le mariage, genre rien que la couleur, ça me. Heureusement que j'ai pas pris ça. Alors, la robe pour le mariage que j'ai trouvée sur Shein, c'est ça. Elle est magnifique. Franchement, elle est super belle. On est d'accord que portée sur la fille et tout, elle est croisée dans le dos comme ça, franchement, elle est bon, super après, belle. Peut-être on dit ça. Et nous, on a ça. Après, on dit ça, mais peut-être elle est super belle. Hein. Voilà. Ouais. Enfin, c'est pas pareil quand même. Hein. C'est à regarder les commentaires au moins avant de l'acheter. Oui, il y a marqué trop beau, trop joli, un coup de cœur vraiment, elle est magnifique, je vous la recommande. Nanani, nanana. Ça ne peut pas pareil quoi. Enfin, si, ça va, mais c'est beau. Donc, déjà, il va falloir la repasser à mort. Je la trouve belle, hein, ça va. Mais à voir. Bon, ben, ok. Bon. Elle pue le vinaigre. Ouais. La matière et tout, je m'attendais pas à ça. Franchement, J'ai eu peur, j'ai cru que c'était ma robe, j'étais en mode... Elle est là, la tienne. C'est bon, j'ai tout jeté comme ça, toi, là-bas, sur le côté. Elle a fait un amas, là-bas, je vous dis même pas, elle jette, elle s'en fout, quoi. Donc là, c'est la robe qu'Elia s'est choisie, donc une robe... Peut-être pas pour le mariage, peut-être, je sais pas. Parce donc que là, il n'y a pas de mannequin qui la porte, mais voilà, c'est une robe basique, comme ceci, en marron. Voilà, comme ça. Et alors, celle-ci, on l'a payée 6 euros. Mais elle est belle. Elle est super belle. Voilà. Donc, c'est un truc plutôt classe, normalement. Oui, mais je la trouve voilà. Super belle. Et même, elle a l'air assez longue, tu vois. Je pourrais peut-être la mettre pour le collège. Je pourrais la mettre pour le collège. Bon, là, ça fait bâche. Hein, mais On a acheté des bâches. Allez, la dernière robe. Ça, c'est pareil, c'était une promo, c'est pour moi. Toujours des petites robes à fleurs d'été que je me suis dit, allez, on tente, pourquoi pas. Donc celle-ci, elle était à 4,80 euros. Il dit à expérience. C'est le drame. Ouais, putain, pas les essayages, à mon avis, on va rigoler, je vous dis pas. Moi aussi, ça me tente. Alors, la nénette, ça lui va super bien, encore une fois. Elle est super bien gaulée dedans, elle est super, voilà, tac, 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 ça lui va super bien. Et donc, voilà la photo, voilà la réalité. Encore une fois, j'ai pris un 38. Alors, moi, à chaque fois que je regarde les vidéos des filles qui achètent sur Shein, à chaque fois, elles disent, oh, la... C'était rire. En train de gueuler à chaque fois, c'est oh, les tailles, ça taille bien, vous allez voir, etc. etc. On verra bien. Moi, ça m'a l'air petit. Hein. Je vais rentrer mon cul là-dedans, je suis pas sûre. Allez, oublie, bon, allez. Bon, mais on verra après. Quoi? Hein? Quoi? Les fesses? Quoi, les fesses? Les fesses. Ah, moi, ça fout. Je sais pas si mon boule va rentrer dedans. Alors, ensuite, mes mèches blanches. Alors, on a pris deux mèches blanches. Comme ça. On voit pas trop à la caméra, mais c'est blanc. Alors, ça coûte 40 centimes. Faut mettre ta main là, mon cœur. Mais on voit pas. Ben si, regarde. Donc là, c'est des longues mèches. Franchement, le truc... Vous voyez, je pousse à Marie, quoi. On va être assise. Elles sont incroyables. Je crois qu'on va... Je vais fermer la fenêtre parce que sinon... Elle, on les entend juste. Ça va faire encore.
Maman, t'as refait flouter. Mais pourquoi je fais flouter? Ça donne pas vu. Mais oui, en fait, ça focus. Voilà. Fais gaffe quand tu passes. Passe vite. Putain. Pourquoi je fais flouter? Désolée pour voir mes gros doigts. Hein. Ouh. Pourquoi elle fait ça? J'espère qu'elle va pas me lâcher la cam. Ouh, voilà. Je fais flouter la cam à chaque fois. Donc du coup, elle s'est pris des petites mèches dont je vous ai dit, voilà, 40 centimes. La petite mèche comme ça, donc ça s'y fait plaisir. Le Graal. Le Graal qu'elle attendait. En plus, elle a eu des voyages polaires, là. Elle aurait voulu le mettre, mais du coup, voilà. Et encore, il y a après, il y a encore deux trucs. Alors, c'est un Bob Grenouille. Je crois qu'on va mettre ça sur la photo de machin. Pour la photo de... Oh, il est moche à la caméra. Il fait le sur la tête. Ouais. Déjà, qu'il voit mieux. Donc ça, c'est un Bob en tête de grenouille. C'est ce qu'elle vous avait dit la dernière fois, qu'elle voulait prendre un truc pour Ushka aussi, pour être assortie avec elle. Et le Bob, c'était 2 euros, du coup, 80. Donc tu vas à la pêche, quoi. Ça, c'est pour Benoît, ça. Non. C'est pour tonton Ben, ça. Non, mais c'est... je l'aime bien, mon Bob. Par contre, c'est un peu froissé. Hein. Ouais. Bon, ça va se défroisser au fil du temps. Il faut pas s'inquiéter. Ensuite, elle s'est pris ça. C'est quoi? Les pop-corns. Ah oui, alors c'est des os. Mais on dirait des vrais. Alors, vous avez plein de... Alors, il y a des boucles d'oreilles. Moche. Je vous jure, il y a des boucles d'oreilles, mais c'est pas moche, mais il y a des boucles d'oreilles. Alors, si vous voulez des boucles d'oreilles qui sortent de l'ordinaire, allez sur chaîne. Il y a même des pigeons, quoi. Il y a des pigeons. J'ai hésité, hein, avec les pigeons. Non, c'est pas mangé, Bibou. C'est pas mangé. Alors, c'est des petits pop-corn comme ça. Et donc, ça, c'était 1 euro. C'est trop stylé, par contre. Donc, ils ont bien vu, tu crois, hein, des pop-corn. Oui. Et donc, il y a des pigeons, il y a des genres de sushis, il y avait quoi d'autre aussi? Des jambes avec des poils et une culotte. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça. En boucle d'oreille. Ouais, des nouilles. Tapez boucle d'oreille pigeon sur chaîne, vous allez et voir des trucs. Et allez dans les... N'importe quoi. Appuyez dessus et descendez. Ouais, et vous allez trouver de ces trucs. Non, mais je vous jure, nous, on a halluciné, quoi. On a dit, mais c'est pas possible. Mais il manque un truc. Mais non. Si, le machin là, l'oreille. Et il nous manque des trucs. Alors, du coup, on a une boucle d'oreille. Non, c'est juste que tu l'as pas commandé. On l'a pas pris. Non, ben non, c'est qu'on l'a pas pris. La petite boucle d'oreille, pourtant, si, je l'avais mis dedans. Bah, apparemment, non. Ah ben peut-être qu'il n'y en avait plus. Ah si, j'avais commandé la petite Donc, oreille. Donc on a un petit truc de chargeur. Vous savez les trucs qu'on met dans les chargeurs là? Si, c'est sûr que je l'avais mis dedans. Hein. Pour faire joli, bah, j'en ai pris un grenouille, voilà, comme ça. Il est trop beau. Bah non, pourtant j'avais commandé. Regarde maman. Je vais leur montrer ce que ça donne. Ça donne ceci en fait sur votre petite. Moi, c'est pas grave, j'ai pas mangé. Voilà. Mais si, on avait pris. Pourtant, on l'avait mis, c'est sûr. On avait qu'on pris l'avait le mis. Collier aussi. Le collier papillon. Bah oui. Trèfle. Ben c'est sûr, il était le collier papillon aussi. Trèfle. Ou trèfle. Parce que quand j'ai montré l'autre fois à Jérôme la commande, ils y étaient dedans. Parce qu'il y en avait peut-être plus. Dommage, c'est pas grave. Oui, mais j'ai quand même payé. Non. Ça t'est revenu à moins cher. Total 66,69 alors que c'était à 80. Puis c'était à. Oui, mais parce qu'il y a le. C'est parce qu'il y a la ristourne des 20 et quelques pourcents, les gars. Et c'est sûr que le colis, on l'avait mis et la petite boucle d'oreille grenouille, on l'avait mis. Oh, c'est pas grave. Si. C'est grave. Mais je te rembourserai sinon. C'est pas une question de rembourser, Elia. C'est une question que quand je commande des trucs, j'aimerais bien les recevoir. Putain, mais. Allez, va essayer un truc déjà, toi. Tant que je recherche ça. Alors, je vais essayer la robe, celle-là. Donc, la robe marron, c'est parti.
Je me change là. Tu vois, on a 18, 18... Mais non, parce qu'après, je vais tourner le PC pour qu'on nous voie debout. Oui, mais pour l'instant, là, tu l'as pas retourné. Non. Tu vois, normalement, on a 18 trucs. Je te dis, il nous manque des trucs. Bon, mais il nous manque deux articles. Ça pue le shine. Ça passe. Ouais, c'est bizarre. Pourtant, on l'avait bien commandé, ça c'est sur le collier tout, j'avais vu. Alors là, on a la robe. Alors, comment je vais vous mettre pour que vous voyez bien? Je vais essayer de tourner. Donc la cam, et pourquoi ça fait flou à chaque fois que je bouge, moi, c'est quand même énorme. Mais c'est quand même un truc de dingue. Alors, en tout cas, je suis attention au tournis, est-ce que vous voyez bien? Alors, faites pas attention au bazar. Elle est magnifique. Voilà, donc là en fait il y a les toilettes, donc on ira se changer dans les toilettes et en même temps, voilà, donc ça c'est la robe qu'Elia s'est choisie, normalement soit pour le alors, mariage. Du coup de face. Donc tant qu'elle vous montre ça, moi je vais essayer un truc, comme ça ça sera plus rapide, non? Comme ça ouais. Tu m'en mets. Je donne mon avis, on doit donner une note sur 10 à chaque fois. Donnez-nous des notes, par rapport au mannequin, pas par rapport au mannequin, sinon c'est de la triche. Et à nous, alors du coup, de face, voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup la découpe, en fait. Ensuite, de profil et de dos. Donc, après, je trouve qu'elle est un petit peu grande, mais au moins, elle m'ira un peu grande, enfin, elle m'ira un peu longtemps, c'est ce que je veux dire. Et je la trouve super belle. Vraiment. Mais elle est magnifique. Donc, j'irai pour demain ce que je mets. Par contre, ouais, voilà. Avec mon bob grenouille, ça donne quoi? Non, 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 ça va pas, on va arrêter des bêtises. Bon, ça c'était la robe de tout à l'heure. Voilà, bah finalement ça va. Ouais. Bon, je m'en souviens que trop gros par rapport au truc. Mais vous voyez, je pensais non, que c'était quand même un peu bizarre, petit. C'est que tu vois, on voit mon nombril en fait. Mais parce qu'elle est serrée, elle est moulante. Ça fait pas. Donc voilà comment elle est. Voilà, tac, tac. Donc là, en fait, on a... Bon, faites pas attention, j'ai mon soutif qui est un petit peu... Alors moi, j'ai pas de poitrine, donc du coup, j'ai pris 38. Mais il me faut quand même 38 parce que moi, le problème, c'est que j'ai un bassin qui est super large. Donc là, ça... Voilà. Tiens, on va essayer autre chose pour leur montrer. Mais moi, t'as vu, ça rend bien. Oui, c'est alors vrai. Sur 10, je donne moi ma robe un 9 sur 10. En autant en plus, un 9 sur 10. Donc voilà, donc moi j'ai un bassin qui est très large. Et le problème c'est qu'après j'ai... En haut je suis super fine, donc du coup vous voyez 38, mais bon 38 ça va, ça passe. Et là comme vous pouvez voir, vous voyez, vous avez des petits froufrous comme ça là dessus et derrière en fait bon moi je l'ai passé comme ça, c'est rentré nickel, mais il y a une petite fermeture éclair en fait pour fermer le derrière, vous voyez, juste là, voilà, pour vous montrer. Non franchement ça va, elle est bon, je me donnerai pas de notes moi parce que voilà, après je me vois pas très bien parce que je suis assez loin par rapport à la cam, donc je sais pas si vous vous voyez, mais voilà pour vous donner une idée. Bon, je ressens pas au mannequin hein, de la photo, mais voilà, je suis plutôt contente, c'est sympa. Je n'avais pas de robe d'été. Franchement, je crois que les derniers habits que je me suis acheté en neuf, le dernier truc neuf que je me suis acheté, il y a, ça date de quand? Ça doit faire, je sais pas. Franchement, ça va mentir, ça doit peut-être faire 6 ans. Sans mentir, ça fait perpète que je me suis pas acheté une fringue neuve. Ou si, des fois, je m'achetais peut-être une ou deux bricoles quand je vais à Action. C'est assez des débardeurs et tout, mais ça compte pas, quoi. Mais que ça soit en robe, etc., ça fait longtemps que... Voilà. Alors, je sais pas ce qu'elle est en train d'essayer, mais alors j'entends merde, etc. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, c'est que la robe... Ça rentre pas? Si. En fait, je peux attacher un nœud, Elia. Ah, mais oui. Ah, t'essayes la robe noire, là? Oui. Elle est coincée, ça y est. En plus, Elia, des fois, je vous jure, si vous la voyez essayer des trucs, moi, elle me fait trop rire, quoi. Mais c'est que du coup ça va faire un
Bébé, tu veux que je t'aide? Bon, attendez. Non, mais c'est bon, je vais faire la voile. Bah voilà, je vais faire le nom. Voilà, tu vois, j'ai bien fait de la prendre. T'as pas voulu pour 3 euros, j'ai envie de te dire. Non, mais si tu me tiens pas les cheveux, Léa, je peux pas, moi. Je t'ai pris. Ah oui, je t'ai dit de me tenir les cheveux, banane. Ah, mais me tire pas les cheveux. J'ai pas tiré. Si. Mais attends, il y a l'autre rang, putain. Bon, allez, moi je prends votre robe, je vais essayer. Ah tiens, on va essayer la robe du mariage. On va essayer la... Ah merde, c'est le short ça. Bon, je vais essayer la robe de mariage. Alors, du coup, la robe de noir, je sais pas ce que ça donne. Bah si, regarde, franchement, elle est sympa. Alors, oh ça va, on ne peut pas découvrir. Et la matière? Ça va en fait. Alors du coup, enfin faites pas gaffe, hein, mon stif il est bleu, du coup bah ça va pas ensemble. Mais fais voir ton dos. Mon dos, voilà ce que ça donne. Oh, dans le dos c'est beau. Et en fait c'est beau. Mais alors tu vois. Je vais mettre ça au mariage demain. Bon, tu sais, elle fait classe, hein, pas... Ouais mais non, je vais pas mettre ça. Eh ouais mais je vais pas mettre ça. Eh hey, mais c'est swag hein. Non j'aime bien. J'aime bien finalement. Je viendrai avec ça par contre hein, demain au mariage. Hein. Vous avez cru quoi? J'ai pris taille S, mon bout il va pas rentrer dedans. Et moi je mets ça au mariage, je mets mon bob grenouille demain. Je l'amènerai parce qu'il est archi beau. Et il va avec toutes les tenues. Ah, mademoiselle. Non, je ne suis pas en train de faire des bêtises. Oui, bon. Bon, en fait, il fallait S quand même pour que ça taille. Elia, putain. Mais c'est comme les corsets. Mais non, on n'est pas dans les années. Elia, tu vas la casser. En comme, dans Demon Slayer, comme dans Vampire Diaries. Je ne pas trop, faut que je respire. Tu crois qu'on est dans les années. Je sais pas quoi là. La vie, je suis en train de mourir. Aïe, je veux faire les trucs, on dirait que j'ai bien. Alors celle-là, par contre, j'ai pris taille S. Je fais par rapport. Alors en dessous, vous avez des mesures en fait par rapport à ce que la mannequin elle mesure, etc., etc. Mais tu sais faire un nœud? Oui. Attends, c'est que je suis en train de faire un beau voile. Et alors, ça donne quoi derrière? Il c'est beau. Ouais. Ça fait petite fille par contre. Donc voilà la robe. Tiens, prends mon photo pour envoyer les gens parce que vous voulez voir. Donc voilà la robe, regarde pas, je ne vois pas trop parce que ben voilà, je suis très très loin de la caméra. Dans le dos, ça donne ceci. Est-ce qu'il voit là? Oui. Voilà. C'est beau dans le dos. C'est moi qui ai réussi le nœud. Donc c'est moi si ça rend beau. Hein. Si ça rend beau, c'est grâce à Elia en fait. C'est bon? La photo là? Par contre, c'est archi froissé. Hein. Et après, bah oui, il faut que je repasse. C'est bon pour la photo? Alors, de face. Oh putain, c'est gueule. Et de dos. Ouais, c'est bon. Donc voilà la robe. Bon, finalement, portée, ça va. Donc vous voyez, au niveau de là, donc ça fait un petit col carré. Donc là, par contre, je l'ai pris en 36, celle-ci, parce que par rapport aux mesures qu'ils avaient données, ça se voyait que ça taillait plutôt grand. Je vais me changer. Et donc même là, si j'ai le... Oui, vas-y. Faut que je fasse mon nœud. Donc là, même si j'ai un bassin large, en fait, vu qu'elle est un petit peu évasée sur le côté, ça se voit pas de foufou, quoi. Et puis j'aurais pris taille M, peut-être que même au niveau du haut, ça aurait été, vous voyez, trop trop grand, je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que des fois, je vois des filles, elles achètent des tailles S sur Shein. Quand je vois comment elles sont faites, je me dis, mais moi le 38, voilà, il faut quand même 38. Je sais pas comment elles font pour rentrer dedans. Donc voilà, sans, voilà, je veux pas non plus... Mais prenez vos tailles, quoi, vos tailles, voire peut-être une taille au-dessus quand même. Parce que je vous dis. Donc voilà, derrière ça donne ceci. C'est plutôt sympa, écoutez. Bon, ce sera ma robe de demain, de toute façon, en même temps. J'en ai pas d'autres, donc du coup, voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, hein, c'est juste de toute façon. Par contre, j'ai pas de godasses. Et par contre, j'ai pas de chaussures, moi, pour aller avec ça. Ah non, c'est avant. Généralement, j'ai les chaussures à talons, mais là. Avant, je portais que des talons, maintenant. C'est fini, c'est des chaussures de sécu quoi. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Pareil, dites en commentaire si vous trouvez ça sympa. Bon, ça change, hein. Tu l'as envoyé à Jérôme du coup? Non, j'ai oublié, je vais le
Bon, du coup, je vais la voyager si vous voulez voir la robe. T'as essayé quoi le short? Eh bien, il va le short, hein? Un peu grand peut-être. Hein? Ouais, vous là, oui. On aurait dû prendre. Ouais, mais au moins t'es à l'aise. Et non, c'était la plus petite taille, 25. Ouais, mais tu sais. Alors, non, vrai, Elia, elle vous dit. Elle vous dit quoi? Alors. Moi, je vais me changer. Le short. Mais maman! Quoi? Je suis pas passée devant? Si. Voilà. Alors, donc le short, il fait des plis. Quand vous voyez, genre, je monte mes jambes, là, ça fait vraiment beaucoup de plis. Moi, bon, je vais grandir un peu, ça m'ira parfaitement. De dos, ouais, ça rend bien. Maintenant, le haut, bon, normalement, je fais du XS, mais maman a voulu prendre du S, mais c'est XS normalement. Hein. Non, c'est du 30. Oui, c'est du S. C'est du 25. Non. Non, je parle du haut. Ah, oui. C'est du S, mais normalement sur Shane, c'est XS pour moi. La robe, elle se met comment, la verte? Et du coup, ben après, normalement, ça me fera vraiment un truc. Normalement, vous voyez, ça devrait m'arriver à là. Normalement, si j'aurais pris XS. Donc, la base du t-shirt, normal. Mais là, elle a voulu me prendre plus grande, du coup, ben ça donne ça. Elia, je crois qu'il faut que tu me fasses mon corset. C'est ça, ça se ferme derrière, c'est ça? Oui. Putain, je suis à chaque fois, il faut demander de l'aide pour mettre des robes. Putain, t'as qu'est-ce que t'as fait? Mais j'ai rien touché. Bon, c'est pas grave, laisse comme ça. Non. Mais non, on s'en fiche. Non, psst. On s'en fiche. Non. J'ai un essai faire. Par contre, la matière, elle est chouette, celle-là. T'as vu comment elle est. Alors, la matière, elle est très. Elle est pas souple du tout. Eh, non? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Non. Quoi? Mais c'est pas grave, laisse tomber. Si, mais non, là, t'es en train de me refaire un nœud, j'étais presque à bout. Mais c'est pas grave, la vidéo elle va durer 2 heures, il y a encore plein de trucs à essayer. Là. Enfin, non. Bah, si. Il te reste une robe. Mais tant que moi j'essaie, tu peux essayer le bout d'oreille pour montrer comment ça va, toi. Ou les mèches. Le bout d'oreille. Bah, essaye, on va montrer comment ça va. Si, on lâche à la fin. Bon. Ah, ok, alors. Wesh. Ouais, mais ça pas trop, je vais faire j'enlève dans 2 secondes, ça sert à rien, c'est pour ça que je dis c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, donc voilà la petite robe verte. Donc c'est vraiment baby doll, hein, celle-là aussi. Hein. C'est vraiment limite, je pense que celle-là, ça sera pour rester. Quoi, bon. Ça va, elle est longue quand même, on croyait qu'elle était courte, elle arrive presque au genou. Non ? Je pourrais l'essayer. Oui. Après, si tu l'aimes bien, sinon je te la donne, hein, tu la prends. Donc devant, elle est comme ceci. Elle fait des petites manches un petit peu bouffantes, comme ça. Et derrière, bon, Elia, elle a essayé de me faire... Elia, est-ce qu'il voit derrière, là? Oui. Donc là, elle a essayé de me faire le nœud derrière. Mais bon, voilà, ça s'attache apparemment avec un petit nœud, comme ceci. Voilà, moi, je la trouve sympa. Je la trouve, pareil, encore une fois, je la trouve fraîche. Voilà, c'est une robe d'été, hein, toute simple. Voilà, voilà. Elia? C'est moi. Je vais me changer, comme ça, peut-être essayer celle-là, si tu veux. Comme ça, tu leur racontes ta life. Alors, du coup, moi, en attendant, je vais essayer. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer? On a des boucles d'oreilles. Et on a la bague. Bon, la bague, j'ai déjà essayé. Donc, on va essayer les boucles d'oreilles. Je sais pas quoi. Donc, on va essayer les boucles d'oreilles qui sont... d'après moi, oh merde, incroyablement magnifique. Donc voilà comment elle se présente. Alors, parce que là je n'ai rien au premier trou. Voilà, tu vois, celle-là j'aurais pris S, ça aurait été trop petit. Mais là au niveau de là c'est trop grand du coup. On n'a même pas besoin de l'attacher, vous voyez. Voilà ce que ça donne. Oh, elles sont magnifiques, regarde. Ouais, elles sont très jolies. J'adore, je suis fan.
âme sensible à s'abstenir parce que des fois il y en a, ils supportent pas les gens, enfin quand on voit enlever ou sortir les boucles d'oreilles, donc je préviens même si on n'a rien vu, on n'a rien vu. Ça là, j'adore la matière par contre. Hein. Par contre, c'est un peu... Et par contre, c'est des vrais trombones. Hein. C'est des vrais trombones. C'est pas une imitation de trombone, c'est des vrais trombones. Hein. Parce qu'enfin, il y en a beaucoup qui essayent de se mettre des trombones dans les oreilles. Et sauf que ça fait mal. Et bref, j'arrête de parler. Mais j'ai pas essayé mon Bob Grenouille là, cette fois-ci, avec ma tenue. Allez, vas-y. Non. Hé, mais t'es méchante. Alors, donc là, je viens d'essayer celle-ci. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pris M, enfin 38 pour être plus à l'aise. Alors, le problème, c'est que c'est vachement large, comme je vous disais, au niveau du haut. Mais le problème, c'est que si j'aurais pris S, vu que j'ai une taille, enfin j'ai le bassin large, j'ai peur que ça aurait été... Alors, est-ce que ça m'aurait plus serré au niveau du haut, je sais pas. Mais ça m'aurait peut-être serré au niveau du, vous voyez, du ventre ou j'en sais rien. Donc, j'aurais peut-être dû prendre taille S parce que bon, j'ai quand même de la place, j'ai quand même de la place derrière, je pense. Voilà. Et donc, du coup, c'est un peu, voilà, c'est un peu grand au niveau d'ici. Mais c'est pas grave. Après, il n'y a pas des trucs comme les soutiens-gorge pour... Non. Ah, mais si. Alors, attendez. Je vais me mettre en soutif devant vous. Ah, mais si, on peut régler les bretelles, apparemment. Ah, ben voilà. On peut les régler. Mais nickel. Ah, ça, c'est top. Alors, les bretelles sont réglables. Donc, pour ceux qui ont des petites poitrines comme moi, c'est génial. Alors, attendez, je me mets pour pas que vous voyez. Moi, j'allais faire ça devant vous, mais après, j'aurais eu des problèmes. Ah, ben voilà. Là, ça tombe plus. Regardez. Impeccable. Sinon, j'aurais fait des nœuds. Vous savez, vous ne connaissez pas les trucs, faites des nœuds. Et bien là, impeccable. Franchement, celle-là, je l'adore. J'adore la couleur en rouge comme ça. La matière, elle est vraiment... Franchement, on est trop bien dedans. Celle-là, vous allez me voir souvent la porter, je pense. Mais vraiment, qu'est-ce que ça en pense, toi, bébé, celle-là ? Elle est belle. Faut que je te la serre derrière. Je pense... ça c'est une taille 38, hein. Peut-être que toi c'est trop grand aussi. Voilà, on va au max. Enfin, non, je la serre comme ça. Oui, mais non, ça fait pas bon. Je peux pas serrer plus quoi. Que ça. Et après ça se met comme ça. Ah, mais non, tu peux la porter comme ça. Oui, aussi, mais bon. Bah, pas de bon, ah oui, mais elle me va. C'est juste que c'est décolleté, c'est tout. Bah moi j'essaye, j'en ai pas une autre. Regardez-moi ça. Oh, elle est verte avec mon grenouille vert. J'ai un autre à essayer moi. C'est tout. Bah oui. Si, regarde, ça va bien, j'en ai une autre. Et ça c'est quoi? Mais c'est ta robe noire. Ah oui, la robe mannequin, attention, alors là, faut pas rigoler. Alors j'essaye pas la robe mannequin, on rigole pas. Ok les filles. Et mais elle va trop bien là. Parce que là sinon ça va pas le faire. Alors attendez. Alors déjà moi ma préférée franchement celle-là je l'adore vraiment. Alors par contre je pense pour le collège ça ne sera pas trop admis parce que vous ouais, voyez. En fait enfin moi perso je trouve que c'est pas choquant mais vous voyez c'est quand même un peu décolleté que faudrait que ça soit à là. Mais ah non mais ça c'est bon là. C'est bon, c'est juste que si je fais un peu de mouvement, enfin, ça tombe automatiquement, c'est juste que c'est décolleté. Voilà, sinon je trouve ça pas choquant du tout, très sincèrement. Et maintenant, on va essayer des mèches blanches. Pardon. Donc, peut-être faudra retailler tout. Mais enfin, pour l'instant, on essaye comme ça. Alors, on n'a pas trop de luminosité, oui, parce qu'il fait nuit, il fait nuit. Et très sincèrement, je ne voulais pas faire cette vidéo demain. Je mourrai d'impatience. Et par contre, les filles, d'une robe à une autre, franchement, au niveau des tailles, ça c'est une 38, exactement la même que l'autre. Et au niveau des tailles, c'est complètement différent. Vous voyez, celle-ci, elle est vachement plus serrée au niveau des... À moins que derrière... Derrière, c'est pareil, on peut desserrer les trucs.
Alors attendez, il y a, je vous montre ça. Non, j'essaie de dessiner peut-être. C'est la même texture des cheveux doux. Voilà. Alors, je suis pas coiffée. Du coup, ça va faire un peu choquant. Âme sensible, attention. Alors, vous voyez, alors c'est un peu long, il faudra retailler. Mais. Bah, c'est surtout que jeudi prochain, on va passer chez le coiffeur, on va retailler beaucoup. Hein. Mais oui, mais regarde. Mais c'est pas choquant. Non, c'est un peu long. Oui, mais non, mais oui, mais non, mais ah, là. C'est non, mais c'est beaucoup trop long là. Qu'est-ce qu'on pense là? Faudra recouper là, si je coupe à là. Par contre, ça là, c'est l'effet croisé là qui. Oh, par contre, comment c'est donu, c'est donu, donu. Hein. De quoi? Ouais, non, c'est on voit ton soutif en entier. Hein. Mais oui, c'est forcément c'est croisé, mais après, bon, tu mets rien, tu mets autre chose. Donc là. Donc voilà, la petite robe verte. Donc pour la même taille que l'autre, franchement, elle est beaucoup plus serrée au niveau du haut. D'accord. Bon, après, c'est pareil, vous pouvez régler les bretelles derrière. Mais voilà, les bretelles, elles sont croisées. Comme Elie a dit, on voit mon soutif. Mais bon, après, c'est rien. Hein, c'est juste un soutif. Je n'ai pas essayé sans soutien-gorge non plus. Hein, on voit rien. Après, on peut le porter. Enfin, si, c'est plutôt à mettre sans soutien-gorge. Ou alors, ça, savez... ou alors, c'est peut-être que, voilà, il faut peut-être que je le remonte plus haut. Ou alors aussi, vous savez, ça existe les trucs ronds là. Non, peut-être qu'il faut que je remonte plus haut comme ou ça. Ou les scotch. Après, si je remonte plus haut, c'est très plus court quoi. Oui. Mais par contre, ta robe là, verte, elle me va. Hein. Mais tu l'aimes bien celle-là ouais. Non, mais est-ce que tu la mettras? Mais tu après, la prends. Mais oui, mais. C'est laquelle qui était courte pour toi? Mais qu'on croyait qu'elle était courte, c'est celle-là. Non, mais là, t'as dit qu'elle était vachement courte, qu'on passe une taille à une autre. Non, pas trop. J'ai dit c'est celle-là, et quand tu passes du pas d'une taille à une autre, mais la même taille en 38 par rapport à la rouge, vous voyez, les coupes, c'est pas du tout pareil. Oui. Mais je la trouve jolie aussi, elle est sympa. Même si ça fait donu comme ça, c'est pas gênant. Hein. Par contre, parce que Après, peut-être qu'il faut que je relève un petit peu les bretelles. Je relèverai un peu. Donc là, attention, on va essayer ça. La robe mannequin. Alors moi je suis pas mannequin. Alors attention les yeux, cachez vos yeux parce que là ça va être la mise. Après tu la veux ça là Non mais sinon on peut s'apprêter aussi. Bah non mais prends-la direct et moi voilà. Et je vous ai pas montré à l'intérieur du bob, en fait c'est comme ça. Regardez, c'est comme un bob de pêche. Mais sauf qu'il a des grenouilles. Lui je l'attendais avec impatience. Vraiment. Regardez, je vais peut-être mettre un peu de flash pour voir. Parce qu'il fait nuit, mais nuit noire. Enfin, bleu. Mais du coup, voilà. Au scanner. Vous aussi. Attendez, je vous ai mal vu. Attention. Star. Tu sais maman ce qu'ils ont mis sur Netflix? Quoi? Popstar Barbie. Non. J'ai regardé un peu. Bon, voilà la robe. Donc on a le mannequin. On a quoi? Un antivol sur Shein? Ah non, c'est l'étiquette. Regarde, je crois que c'était un antivol. Putain, ce serait cru chez Kiabi. Donc voilà la petite robe. Donc, bon, elle est bien, bien moulante. Hein. On voit bien, vous voyez, on voit bien les formes de partout. Donc, c'est sympa, mais moi, je trouve que ça va me... Donc là, on peut la porter comme ceci au niveau du haut. Vous voyez? Donc, comme ça. Voilà. Après, sinon, on peut remonter aussi les... Donc là, j'ai pas le truc adéquat. On va me bourler. Attends. Dès que je reviens... Tu peux parler, hein? Mais t'en veux. Bah, tu peux parler aussi. Bah, oui, mais moi, je parle. Bah, après 36, ça va. J'aurais pris 38, de toute façon, ça aurait pas fait plus large. Donc, vous mettez ça avec une petite paire de chaussures noires, et puis voilà, c'est classe, quoi. Tout de suite, ça fait. Je pourrais l'essayer. Tout de suite, ça fait classe, quoi. Bon, après, on voit un petit peu, mais. Mes bourrelets, mais bon, franchement, je la trouve jolie. Après, je me vois pas trop parce que je suis en caméra, je suis de loin. Et moi, je suis un petit peu bigloss, donc du coup, je vois pas trop ce que ça donne. Est-ce que t'aimes bien, toi? Oui.
Bon, là, on a mangé en plus, alors du coup, voilà. Mais elle me va bien ou pas? Ouais. Ça fait femme. Waouh, bah ouais, ça change. Hein. Tiens, prends-moi en photo. Qu'est-ce que tu fais sur le verre? Mais c'est... Non, mais c'est pour que tu me prêtes ta robe, je vais l'essayer. Oui, mais prends-moi en photo. Mais je vais pas me déshabiller là, de toute façon, pour te la donner. Oui. Elle est la moitié à la Walpé là. Non. Maman, tu me prêtes ta robe. Je crois que je vais me déshabiller devant vous. Juste parce que je vois les... Oui, j'ai un problème là. Et après, regardez, elle vous a pas montré, mais il y a deux fonctions sur cette robe. Donc normalement, ça se porte comme ça. Wesh, mais j'ai une brosette qui a disparu. Mais parce qu'elle est là. Mmh. Arrête de montrer ton soutif. Mais non, mais je ne montre pas mon soutif. Allez. Mais... Allez. Je veux voir ce que ça donne. C'est bon, tu me dis quand c'est bon. Non, allez. Mais vas-y, comme ça aussi. Oui. Le dos. De profil. Et de face. Bon, ça va. Non, elle est jolie. Bon, écoutez, Lia va l'essayer. Moi, je me rhabille avec mon t-shirt. Ouais, 50 minutes de vidéo. Mon t-shirt jaune transparent. Et je lui passe la robe et je reviens pour vous faire un bisou et dire au revoir. Ouais. Allez, hop, hop, hop. Il y a du shine de partout. Et en fait, c'est qu'on a mangé McDo, du coup. Bah ouais, j'ai pas le temps de faire à manger, là. Oui, c'est vrai, en plus jeudi prochain, on va chez le coiffeur. Ça va vous faire bizarre. Ah ouais, j'en ai besoin un peu. Mmh. Et surtout moi. Vous en voulez? Allez, tenez, bébé. Allez. J'ai un problème avec mes cheveux. Oh, mais c'est un épier. Oh là là, mais j'en ai partout. Oui, j'ai mis mon truc transparent. Elle est là, la robe. Elle vient. Je sais que mes amis, on est en train de boire un café. Oui, non, mais allez, il faut s'en sortir avec tes amis. Tadam! Alors, écoutez, franchement, mon avis, en plus, bah, je suis super contente, je vous dis, ça doit faire au moins 5 ans que je ne me suis pas acheté de fringues. 9 ans, je dis bien, parce que souvent, je prends des lots, des trucs qui sont déjà portés, etc., etc. Et je suis vraiment plutôt contente du résultat. Les robes, je les aime bien. Elles sont jolies. Ça va me changer un petit peu. Ça va me faire des robes d'été parce que c'est vrai que j'en ai pas du tout. Et à chaque fois, je m'habille tout le temps pareil, 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 quoi. Donc au moins, ça me fera un petit peu de changement. Je suis super contente. J'ai ma petite préférence pour la rouge. Vous me direz. La dernière que j'ai essayée, elle est sympa aussi. Juste qu'il faut que je pense qu'il faut que je règle un petit peu le haut de mes bretelles. Mais sinon... tout est bien, les tailles ça va, etc. Donc voilà, plutôt contente. Donc voilà sur Elia aussi ce que ça donne. Un peu plus grande au niveau 36. Elle, ça colle moins, donc j'aurais peut-être dû prendre 38. Mais je crois qu'il n'y avait pas 38 en plus. Je crois qu'il n'y avait pas, c'est pour ça que je t'ai dit je prends 36 quand même. Parce qu'elle était qu'à 4 euros la robe. Ça vaut pas le coup de s'en mettre quoi. Alors ça fait femme, hein, par contre, t'as vu? Ouais. T'as vu, d'un coup, les tenues ça me change. Hein. Il manque la coiffure, il faut que je me coiffe là, c'est pas possible. On s'en fiche, de toute façon, depuis tout à l'heure, t'as un bob gros mouille alors. Oh, ça me va bien comme ça. Non, en vrai, j'aime pas. Tiens, vas-y, mets ton bob gros mouille là avec le truc, ça fera la photo de machin. Mais non, j'en ai déjà fait une, genre un peu photo. Mais je sais pas si tu peux régler au niveau de la vidéo. Avec quoi? J'avais mis une pause un peu avec mon bob grenouille. Mais t'as pris la photo avec quoi? Avec rien, j'étais genre comme ça. Ah mais non, je peux pas. Ah. Oh. Je me suis arrêtée. J'arrête de respirer. Bon voilà, donc on a fait un peu comme tout le monde fait, mais on l'avait jamais fait en fait. On avait déjà, quoi que je sais, non, on n'a jamais vraiment acheté. Je t'avais acheté des trucs l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans. Non, c'était quand tu étais en CM2 ou CM1. Je sais plus, enfin voilà, CM2. Elle avait reçu des trucs, mais c'était vachement grand. D'ailleurs, elle les a jamais mis. Et là, après, je lui avais acheté quoi? Des coques de téléphone sur Shein. Donc là, c'est la troisième commande Shein que je fais en tout et pour tout depuis 2 ans, quoi.
Et donc là, c'est vraiment la première fois où on prend autant de robes et d'habits. Et du coup, voilà, ça fait plaisir de changer, de vous montrer ce que ça donne. Vous avez vu les mannequins les porter. Et vous avez vu nous, mannequins, les porter aussi. Ah, donc, c'est quoi ça ? Vous voyez en fait après la réalité contre ce que vous... Non, pas contre le mur, hein ? Mais c'est... Je sais pas, c'est quoi ? C'est une bouche des antennes. C'est quoi ? Il faut que je l'écrase, c'est une bouche des antennes. Ben, crase-le. Je nettoierai le mur. Vas-y. Il est où ? Sur le canapé. Ben, enlève-le. Mais non, il est mort. Eh ben, enlève-le. Non. Elle a tué une bête. Ça y est, c'est l'été, il y a les bêtes partout, Elia, je la perds. Et Bibou, il y a une bête là-bas, va voir, va là. Sauver Elia. Va sauver Elia. Là, mais monte, là. Là, il y a une mouche là-bas, va voir la mouche, chope la mouche. Oh. Ah, elle a bouffé, c'était quoi? Oui, elle a mangé. Ah non, je crois qu'elle a craché sur le côté. Bibou, t'en as fait quoi de la bête? Elle a pas mis sur le plat d'à côté? Non, elle a mangé. Non, je crois pas. Si, elle a mangé. Tu l'as mangé? Oui, elle a mangé. Ah, c'est dégueulasse. Bref. On finit en beauté avec ce haul chain, désolé. J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. C'était en live, sans chichi, sans gnangnang, avec le sac d'école. Enfin bref, voilà. Nous, on n'a pas de décor derrière, etc., etc. Mais on espère quand même que ce petit essayage vous aura plu. Nous, en tout cas, on a adoré. Hein. J'ai venir comme ça au collège. Non, mais c'est ma robe à la base. Mais pas grave, tiens, je viendrai comme ça au collège. Toi, t'as venu en noir. Ouais, non, je viendrai avec celle... La beige. La beige. Marron. Bon allez, sur ce, la team, on vous fait des... Putain, ça y est, c'est fou. Des gros bisous. Je comprends pas pourquoi elle est fou aujourd'hui. J'espère que ma cam va pas me lâcher parce qu'on en a besoin. On a besoin de toi. Nous lâche pas, nous lâche pas. Non. Allez, on vous fait des gros gros bisous. On vous dit à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez. Croyez bien. Profitez, restez au chaud. Surtout, restez comme vous êtes. Ne changez rien. Tuez les bêtes pour vous sauver la vie. Ouais, non, laissez-les tranquilles, les bêtes. Allez, on vous fait des gros bisous, à plus tard pour une... On a commencé la vidéo comme ça, on finit la vidéo comme ça. Elle a pas recraché la bête, là? T'as recraché la bête? Mais non, c'est... Elle fait une tête, la chienne. C'est un truc bizarre blanc qu'elle a craché. Dis d'où? T'as recraché la bête? T'as recraché la bête? Non, elle a craché un truc bizarre blanc. Oh putain, celle-là. Allez, on vous fait des gros bisous. On vous dit à plus tard. Bisous, bisous. Bisous.